Retrouvez votre programme avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Florian Mérien joue au ping-pong en fauteuil. Alors Jean-Philippe, ça fait un petit paquet de temps que tu as arrêté la carrière, on va dire. Tu n'as pas trop perdu la main? Ça fait quelques années, pour ne rien te cacher un petit peu, mais puis surtout quand je vois Florian s'entraîner, il a l'air chaud, il a l'air fit, mais je vais relever le défi, t'inquiète. Philippe Croison, sportif de l'extrême, amputé des 4 membres, apparaît en fauteuil rouge. 4 champions de sport lancent un défi à 4 athlètes de haut niveau pour changer le regard sur le handicap. Fabrice Santoro joue au blind tennis avec Ophélie Maud. Jean-Philippe Gatien au ping-pong en fauteuil avec Florian Mérien. François Pervis roule sur piste privée d'une jambe avec Jérôme Lambert. Céline Dumais joue handi basket avec Grace Mambola. Florian. Salut. Salut. Bon, je crois que je vous présente pas avec Jean-Philippe. Non, on se connaît un petit peu. Je crois que vous vous connaissez. Ça va et toi? T'as l'air en forme là, non? Ouais, ça va, je suis affûté pour toi. Florian, à l'âge de 18 mois, un virus a attaqué ta voie épinière. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça. Je suis tombé paralysé en une heure de temps. Et voilà, j'ai passé ma vie en fauteuil. J'ai une famille qui m'a assez soutenu et qui a tout fait pour moi. Comment tu arrives à t'en sortir, toi, sportif de haut niveau, pour réaliser tes compétitions? Assez difficilement. Tous nos tournois sont à notre charge. La Fédé ne prend en charge que championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux paralympiques. Mais pour se qualifier pour ces grosses compètes, il faut faire ce qu'on appelle des pro-tours, des tournois internationaux. Je pense qu'il y a un événement avec les Jeux de Paris 2024 qui vont peut-être sensibiliser tout le monde aux valeurs. Et je pense que les valeurs, on en dit, elles sont fortes, elles prennent de la puissance. Et je pense que ce projet sociétal que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'espère, va ouvrir des passerelles. En tout cas, on va essayer d'en multiplier les possibilités. Jean-Philippe, pour toi, ça représente quoi? Bah, l'idole de ma jeunesse, il faisait un peu rêver parce que c'est la référence en France. Donc, le fait, passé, là, il faisait rêver, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus rêver du tout. Bah, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure, j'attends de... Florian, t'es prêt à faire vivre ton sport à Jean-Philippe? Allez, c'est parti. Prêt? Alors Jean-Philippe, je crois qu'il y a un fauteuil là-bas qui t'attend. Bah, là, en fait, tu vas essayer de te mettre au milieu de la table. Tu te sens prêt? On peut s'échauffer sans se déplacer d'abord, non? Les deux pongistes en fauteuil s'échangent quelques balles. Là, il est gentil pour l'instant. Avec ouais, donc arrête d'être gentil. Mais si t'es méchant, moi, je te... Il lance une balle sur lui. Vas-y. La balle de Jean-Philippe est trop longue. Oh non. Au caméraman. Coupez, s'il vous plaît. Je vais essayer de te mettre vraiment des balles super hautes. Tu vas voir que c'est galère. Ouais, là, par contre, les repères, c'est tu vois. En fait, là, pour nous... Voilà, Jean-Philippe tombe à la renverse. Messieurs, on va passer à un vrai match. Un petit match court, mais je veux voir deux compétiteurs. Je veux saluer mon adversaire d'abord. Je vais te briser. J'attends que ça. Tiens, prends la balle si tu veux. Attention de pas tomber. Et voilà. Jean-Philippe chute. Deux fois. Ils entament le match. Florian serre. La balle de Florian est trop longue. Celle de Jean-Philippe est dans le filet. Ah non. J'ai laissé qui louche. Philippe suit la balle de droite à gauche. Je l'aime pas celle-là. Tu le sais que je l'aime pas celle-là. Florian a une cuvette remplie de balles au pied du fauteuil. On sent que Jean-Philippe a un peu la rage là. Il a envie d'y aller, qu'il a envie de taper dedans. Te montrer un petit peu. Ouais. Joli. C'est jamais fini un match fini. Alors, 10-6. 10-6. Ça commence à rentrer alors. Les pièges et tout. Allez, petit. Oh la vache. 11-10 pour Jean-Philippe. Attention. Balle de match. Florian serre. Oh oui. Oh non. Jean-Philippe ça, c'est magnifique. Là, oh. Je suis désolé. C'est la plus belle des victoires. Je sais pas. Bravo. Mais... Attends, bravo remanche, les gars. Remanche. Bravo. Franchement, Jean-Philippe, première victoire en handisport. Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Non, il a été gentil. Il a été gentil avec moi. T'as été gentil, vraiment? Ouais. Un petit peu sur la fin, ouais. Parce que... Non, mais doucement, tu voulais pas battre ton idole. Bah, c'est ça, c'était ça. Non, mais je pense que c'est vrai. Je pense parce qu'il y avait quand même 9-4 ou 9-5. C'est ça, à un moment donné. Et je pense que s'il avait continué. J'ai quand même été surpris qu'il remette une ou deux balles sur la fin. Fort, hein. Un peu. Ça vient vite, hein. Ouais. Mais nous aussi, on est dans l'adaptabilité. Enfin, ouais, c'est ça. On est toujours dans la recherche un peu de solutions. Tu t'es adapté à une vitesse incroyable à son sport, là. Je reconnais qu'il a été sympa quand même. Bon, Jean-Philippe, ce que je vais faire, je vais t'inviter dans l'équipe parce que on a bien vu, tu maîtrises très bien le tennis de table, mais apparemment, tu maîtrises pas bien le fauteuil. Donc, je vais le mettre avec toi et on lui met sa misère, d'accord? Avec plaisir. Prêt? Allez. On y va. C'est parti. Tu vas souffrir. Vis mon sport, sport et handicap. Rejoignez-nous sur www.vimonsport.fr et partagez sur Facebook et Twitter.